Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de réaliser une belle tarte paysanne aux pommes. Vous retrouverez sur la gorge de votre écran tous les ingrédients de la recette. Nous allons commencer par préparer notre crème brise. On va déposer dans un bol la crème, les œufs. On fouette le tout énergiquement. On rajoute à présent le sucre, un petit peu de cannelle, un petit peu d'essence d'amande amère et on mélange bien le tout. Notre crème brise est terminée, nous allons la réserver. Nous allons maintenant procéder donc au fonçage de notre moule à tarte avec une pâte brisée. Nous allons maintenant couper notre pomme en dés. Comme vous avez pu voir, j'ai gardé la peau des pommes, ça lui apporte aussi un peu plus de goût. On dépose le beurre dans une poêle avec le sucre. On fait fondre les deux jusqu'à obtenir un caramel. Notre sucre commence à caraméliser. On dépose les morceaux de pommes. On ne les cuit pas totalement et on les réserve. On va couper les autres pommes en gros quartiers tout en conservant la peau. On vient déposer dans le fond de tarte les gros morceaux de pommes. On rajoute quelques dés de pommes caramélisées. Également un peu de caramel. On va verser maintenant notre crème brise, mais avant cela, on rajoute de la poudre d'amande. On verse notre crème, mais on fait attention de ne pas recouvrir complètement les pommes. On saupoudre généreusement de sucre glace. Et on va l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Notre tarte est prête, on va la sortir du four. Et on termine avec un peu de sucre glace. J'espère que cette recette vous a plu. Abonnez-vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle recette.